Bienvenue dans l'univers fascinant des babouins, ces primates sociaux dotés d'une intelligence exceptionnelle. Dans cette nouvelle exploration, plongeons au cœur de leur monde, découvrant les intrications de leur société complexe et les comportements intrigants qui les définissent. Section 1er, portrait des babouins. Plongeons dans le monde varié des babouins, des créatures fascinantes dont la diversité reflète la richesse de notre planète. Nous allons explorer plusieurs espèces, chacune avec ses propres traits uniques et adaptabilité. Tout d'abord, les majestueux babouins Hamadrya. Avec leur crinière argentée et leur mâle dominant au charisme évident, ils résident principalement dans la Corne de l'Afrique. Leur société complexe est marquée par des harems, où un mâle dominant dirige un groupe de femelles. Ensuite, voyageons vers le sud pour rencontrer les babouins Chakma, résidents des régions arides d'Afrique australe. Reconnaissables par leur mâchoire robuste et leur capacité à survivre dans des environnements difficiles, ces babouins ont développé des stratégies uniques pour prospérer. En Afrique de l'Ouest, découvrons les babouins olives. Plus petits mais tout aussi intrigants, leur pelage olivâtre et leur agilité en font des experts pour naviguer dans les forêts denses et les régions montagneuses. Ces exemples ne sont que le début. Les babouins, répartis sur divers continents, ont évolué pour occuper des niches écologiques spécifiques, devenant des membres clés de leurs écosystèmes respectifs. Chaque espèce de babouin façonne l'équilibre délicat de la nature à sa manière unique. Rejoignez-nous dans cette exploration approfondie pour percer les mystères de ces primates exceptionnels. Section 2e, société et hiérarchie. Plongeons dans l'univers social des babouins, un spectacle complexe où les liens familiaux, les rivalités et les alliances façonnent leur existence quotidienne. Les babouins communiquent principalement par des vocalisations expressives. Les cris aigus avertissent du danger, tandis que des grognements plus doux peuvent signifier des moments de détente. Chaque son contribue à une symphonie sociale unique. La hiérarchie sociale chez les babouins est un élément clé de leur dynamique. Les mâles dominants dirigent le groupe, établissant un ordre basé sur la force et la stratégie. Au sein de cette structure, des relations familiales fortes se développent, offrant soutien et protection. Les luttes pour la dominance sont courantes chez les babouins. Ces confrontations déterminent la hiérarchie au sein du groupe. Cependant, la force brute n'est pas le seul critère de leadership. La ruse et la capacité à forger des alliances stratégiques jouent également un rôle essentiel. Les relations familiales sont fondamentales. Les mères veillent attentivement sur leurs petits, tissant des liens étroits au sein du groupe. Les jeunes babouins apprennent les compétences sociales nécessaires à leur survie en imitant les membres plus âgés. Ainsi, la société des babouins est une toile complexe de relations interconnectées, où la communication, la hiérarchie et les liens familiaux sculptent leur réalité quotidienne. Section 3e, adaptation et survie. Les babouins, en dépit de leurs apparences robustes, sont des experts de l'adaptation. Se frayant un chemin à travers des territoires divers avec ingéniosité, leur régime alimentaire polyvalent est une première démonstration de leur adaptabilité. Des fruits juteux aux insectes protéinés, les babouins explorent une gamme de sources alimentaires selon les saisons et les disponibilités. Mais leur intelligence ne s'arrête pas à la quête de nourriture. Les babouins sont des artisans d'outils rudimentaires, que ce soit pour extraire des graines délicates ou pour atteindre des endroits difficiles d'accès. Ces primates font preuve de créativité et d'ingéniosité. Les adaptations physiques sont également cruciales. Certains babouins, comme ceux vivant dans des régions montagneuses, développent une agilité exceptionnelle pour naviguer dans des terrains difficiles, évitant ainsi les prédateurs et accédant à des ressources inexplorées. En fin de compte, l'adaptation des babouins ne se limite pas à la survie physique, mais s'étend à la résolution de problèmes complexes, démontrant une intelligence et une flexibilité remarquables. Section 4e, chasse et alimentation. Bienvenue dans le monde de la chasse babouine, une activité dynamique qui dévoile l'ingéniosité de ces primates dans la quête de leur pitance quotidienne. La chasse chez les babouins est souvent une entreprise collective. Ils se coordonnent de manière impressionnante, utilisant des signaux complexes pour signaler les sources de nourriture ou les menaces potentielles. Cette communication sophistiquée renforce leur efficacité lors des expéditions de chasse. Le régime alimentaire des babouins est varié et s'adapte aux ressources disponibles, des fruits sauvages aux racines et aux insectes. Ces primates explorent une palette diversifiée pour satisfaire leurs besoins nutritionnels. La chasse n'est pas simplement une affaire de force brute. Les babouins utilisent des stratégies astucieuses, comme encercler leur proie pour la confondre ou détourner l'attention des prédateurs potentiels tout en se nourrissant. Les jeunes babouins observent attentivement et apprennent ces compétences de chasse vitales dès leur plus jeune âge. C'est un processus éducatif essentiel pour garantir la survie de la communauté. En conclusion, la chasse et l'alimentation chez les babouins sont des aspects cruciaux de leur existence.
démontrant une fois de plus l'ingéniosité et l'adaptabilité de ces primates. Notre exploration des babouins touche à sa fin, mais le mystère de leur monde persiste. Les babouins, gardiens de la sagesse ancestrale, continueront d'inspirer fascination et respect. Merci de vous être joints à nous dans cette aventure. Restez connectés pour de nouvelles découvertes.